longtemps que j'ai pas vlogué. Ça fait, ben, ça va faire un, ça fait un mois, il me semble. Ça fait trop bizarre. Je vous ai pas parlé face cam depuis très longtemps. Ron, évidemment, vient dire bonjour. C'est un café, ça, mon chat, n'aie pas peur. Un mois d'août de folie. Vraiment. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. Je sais même plus ce que j'ai filmé dans le dernier vlog. Alors là, en ce moment, ce que je fais, vous savez, moi je suis multitâche. Je remets mon vernis Luxiol pour réparer mes ongles parce que au travail, bah, il y en a qui sont cassés encore et tout. Et j'avais mis aussi du vernis semi-permanent et moi ça me les fragilise. Du coup, je refais une petite cure de une semaine. Et ensuite, voilà. Bref, aparté, beauté et soins. Donc, je sais plus du tout ce que j'avais filmé dans les vlogs, mais je sais que je vous ai fait plein de petites vidéos. D'ailleurs, cette vidéo, vous l'aurez pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ça va être un assez long vlog, il me semble, parce qu'il faut. Enfin, donc, là, de suite, je vais vous mettre des petits moments que j'ai filmés sur tout le mois d'août en fait. Alors ça va être un condensé, je pense pas que ça va durer très longtemps, je verrai pendant le montage de la vidéo. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. C'était un mois d'août riche en émotions, beaucoup de travail,
Il s'est passé beaucoup de choses. Le tout très positif. Et vraiment, c'était surprenant. C'était un mois d'août 2023 très surprenant. Voilà. Voilà. Bref, maintenant, on reprend les bonnes choses, hein. Alors non, j'ai toujours pas fêté ma licence, hein. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, on se dira rendez-vous dans 10 ans et voilà. Hein, pas sur la place des grands hommes, mais sur la place de l'université, Paul Valéry. Alors, bref. Ou sur la place de la Comédie à Montpellier. Bref. Vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis fière de moi. Voilà, point. Là, hop, on commence un nouveau chapitre. Vous avez vu, je vous ai parlé des masters et tout. Oh, alors je voulais faire ça pour sécher. Je me suis tapée déjà. Ça commence bien, dis donc, hein, ce petit soin. La sixième pour Anna. Ça y est. Ça fait trop bizarre. Et là, je me rends compte en vidéo, mais sérieux. Alors là, j'ai laissé mes cheveux au naturel et tout. Ils ont vachement poussé, hein, en un mois, quand même, hein. Bon, bref. C'est. Ouais. Anna, ça y est, a fait sa rentrée en sixième. Là, il est 9h02, exactement. Et nous sommes le 4 septembre. Ça fait trop bizarre. L'appel a duré assez longtemps, je vous avoue. Je vois les classes passer 6, 6e, A, B, C, D. Purée, mais c'est pas possible, c'est. Est-ce qu'on a bien entendu, qu'on l'a pas appelé, comment ça se passe? Parce que on arrivait quand même à des lettres vraiment. Voilà. Et du coup, à un moment, on entend Anna. Et c'est bon. Je me suis dit, ouf, elle est dans une classe. J'ai regardé les têtes. Alors, je vais pas dire qu'elle est avec des amis. Parce que ce sont pas des gens qu'elle apprécie forcément. Mais. C'est, je dirais que elle a des connaissances dans sa classe. Voilà. Mais ce ne sont pas des amis. Ça, les amis, je pense qu'à midi, déjà, elle aura fait quelques affinités parce que c'est quand même l'entrée en sixième. Moi, je me rappelle, je suis rentrée en sixième, je connaissais uniquement une seule personne. Elle s'appelait Christine. Et vraiment, on était des connaissances et puis après, on est devenus amis, vraiment. Ouais, c'était bien sympathique quand même. La sixième, c'est une belle aventure, hein. C'est une belle aventure. Dans son école, ça faisait 5 ans qu'elle y était. Elle connaissait tout le monde à force. Elle était la plus grande et là, ils arrivent en sixième, ils sont tout petits. Bon, il y en a qui sont grands, faut pas déconner. Ah là là, ça fait trop bizarre. Et Maya, sa rentrée, c'est cet après-midi, donc je vous raconterai cet après-midi. Donc là, je vais me connecter, évidemment. Alors, je range un petit peu. Évidemment, nous, on a Pronote. Mais je n'ai pas encore réussi à me connecter pour Maya. Et Anna, ben, j'aurai les codes plus tard, hein, de toute façon. Soit aujourd'hui, soit dans la semaine. Ça, on ne stresse pas. Plein d'émotions. Plein d'émotions. Aujourd'hui. Du coup, que va-t-il se passer dans la semaine? Là c'est, j'ai plein de choses à faire en fait aujourd'hui. Alors, je sais que les dernières vidéos n'ont peut-être pas été très intéressantes, mais voilà, c'est le retour des vlogs. Ne vous inquiétez pas, ça va être plus intéressant. Ouais, et du coup, moi, cette semaine, je suis en congé. Le réveil à 6h du matin, ça a piqué un peu parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais en soi, ça va. Ça va, ça va. Je dormirai mieux ce soir. Ça va être long d'attendre minuit, je vous jure. Du coup, avec Ron, on se repose. J'ai fait la demande de bourse déjà pour Anna. Maya, c'est pas encore disponible. L'année dernière, je l'avais fait vers le 10. Oh, pardon, je parle trop fort.
j'ai des petites choses à faire encore. Il faut que je réfléchisse à quoi faire à manger aussi. Comme ça. L'après-midi, ça sera prêt, je me prends pas la tête. Voilà. Par contre, j'aimerais bien que vous répondiez sous cette vidéo. Ou juste avec des j'aime ou des j'aime pas. Oui, parce que les j'aime pas sont pas comptabilisés, mais moi au moins je saurai ce que vous voulez. Est-ce qu'une vidéo back to school pour moi ça peut vous plaire? Parce que en vrai, ben, j'ai pas acheté grand chose en soi et je peux très bien juste vous les montrer comme ça. En 5 minutes, c'est réglé en fait. Voilà, donc dites-moi. Après, oui, bon, je peux donner des conseils, genre. Mais c'est mieux d'attendre la pré-rentrée et la première semaine de cours avant d'acheter en fait. Juste vous acheter un agenda. Tout le nécessaire de. Dans une trousse, ça vous l'avez déjà en vrai. Et ensuite, il vous faut un ordi ou une tablette portable avec clavier là. Mais surtout à la fac, ne prenez pas de cahier, ça c'est de mon point de vue. Surtout en histoire, moi en psycho, je sais pas là, mais en histoire, prenez pas de cahier. Vous n'avez pas le temps d'écrire de toute façon, donc voilà. Ou vous n'arrivez pas à vous relire. Moi je me rappelle de mes premiers cahiers en histoire, c'est n'importe quoi. Du coup. C'est une des raisons de pourquoi est-ce que l'année d'après j'ai investi dans une tablette en fait. Bref, dites-moi si ça peut vous intéresser. J'ai plein de petits conseils à donner, oui. Voilà. Mais après, en soi, moi de vous montrer ce que j'ai acheté, ça prendra pas très longtemps. Sinon, les petits animaux, ils vont très bien. Ah oui, ça va, monsieur lapin. Oui, très bien. Les autres, je sais pas où ils sont. Et là, on va chercher Anna. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Je vais me préparer avec vous rapidement parce que je vais pas être en retard pour emmener Maya. Je vais faire juste ce que je peux. Ça faisait longtemps que je n'étais pas retrouvée pour que je me prépare de toute façon. Je me dis que ça peut être cool. Alors, mon impression par rapport aux emplois du temps des filles et tout, en sachant que moi hier j'ai pu avoir un très très bon aperçu de mon emploi du temps. Alors, je vais d'abord maquiller et puis après je me coiffrai plus tard. Voilà. Les cheveux, on le verra plus tard. Déjà, je les ai coiffés, c'est bien. Alors. Donc l'emploi du temps de Anna, alors il est super pour elle, hein, évidemment, mais pour moi, pas du tout. C'est-à-dire que elle ne commence pas à 8h tous les jours. Voilà. Du coup, quand je ne pourrai pas l'emmener, ce sera soit elle ira en heure de perme une heure, voire 2 heures avant, en général une heure avant, donc à 8h. Des fois à 9h, soit c'est moi qui serai en retard en cours, mais ça c'est hors de question parce que c'est pas possible. Du coup, ça m'a contrarié. Du coup, ça m'a fortement contrarié hier. Et Maya, elle a 2 après-midi par semaine. Ouais, elle n'a pas cours, mais ça je crois que je vous l'ai dit hier. Tout ça. Mais je vous ai peut-être tout dit hier en fait, mais j'étais tellement pas très bien que je me rappelle pas de ce que je vous ai dit hier. Bon, voilà, et du coup au programme aujourd'hui, rendez-vous orthoptiste, alors c'est mon numéro 8 7. Je vous promets, je vois légèrement mieux, mais pas de là. C'est numéro 8. C'est fou, ça passe. C'est sûr, ça? C'est dingue. Déjà, j'ai pas vu les séances passer. Je vous avoue.
Mais vraiment, bon, à part quand je dors pas beaucoup, j'ai pas de migraine. Et je suis trop contente. Franchement, c'est excellent. Parce que ça va me changer la vie. Après, je lui ai demandé combien de temps est-ce que ça a duré. Elle m'a dit environ 2 ans ce qu'elle fait. J'espère que ça va tenir plus longtemps que ça, moi, quand même. Mais écoutez, ça dure 2 ans, ça dure 2 ans, hein, c'est pas grave. Mais de toute façon, moi, mes yeux, c'était vraiment très très bas. Et du coup, il me reste 5 séances. Parce qu'elle m'avait dit d'en prendre 12. Oui! Et après, au programme, ben, du coup, c'est commencer à faire une ébauche d'emploi du temps et de tableau de disponibilité pour ma chef. Voilà, gros sur moi. Après, oui, il va falloir que j'inscrive Lucas à une auto-école. Commencer à passer le permis. Enfin, d'abord le code, et puis après la conduite et le permis. Donc il faut que je trouve ça dans ma ville. Mais on a regardé, il y a les trucs, il y a les, il y a le code par internet apparemment et tout, donc à voir. À voir. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Et en même temps du repos. Et c'est cool du repos quand même. Bon, moi je vais continuer à me préparer. Y a Ron qui joue dans mon lit. Dites-moi vous comment votre entrée ou pré-rentrée s'est passée. Et bah, du coup, ce vlog il sera posté donc le 17. Dites-moi comment s'est passée même votre première semaine pour ceux qui sont à la fac comme moi. Ça m'intéresse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes donc le jeudi 6 septembre et la journée, on va dire, j'ai déjà fait plein 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 de choses. Là, il est 13h12, je vais bientôt faire mon inscription administrative. Donc, pour le semestre 1 et 2 de psychologie, donc, en licence de psychologie. Et donc voilà, j'ai préparé mes petits papiers parce que j'avais déjà vu à quel cours il fallait que je m'inscrive à peu près. Donc voilà, c'est bon, c'est préparé, donc je sais où est-ce qu'il faut que je m'inscrive. Voilà pour ça. Et là, ce que je vais faire en attendant, c'est des choses administratives sur l'ordinateur pour ma famille et moi, on va dire. Est-ce que je sais pas si je vous ai fait un petit compte rendu. En même temps, je vais commencer à faire ceci. Je sais pas si je vous ai fait un compte rendu donc de la rentrée de mes filles. Donc Maya en troisième, Anna en sixième. Bah écoutez, ça va. Ça va, et c'était bien sympathique. Toujours assez stressant. Les emplois du temps, mais écoutez, on va s'y faire. Moi, là, c'est pour ça que je vais m'inscrire et vraiment, j'aurai mon emploi du temps fixe au moins. Sais plus ce que je disais. Mais. Oui, donc ça y est, c'est bon. Après, Anna ne sait pas trop. On est encore dans les premiers jours où il faut qu'elle s'adapte et tout. Mais ça va aller après. Ça va aller. Vraiment, je ne m'inquiète pas. J'ai de plus en plus. Je suis de plus en plus rassurée, on va dire, par rapport à tout ça. Donc ça va. Autre info aussi, ça y est, Lucas est inscrit pour le permis. Enfin, en vrai, pour le code, là. Mais voilà, on a fait ça ce matin. Là, il me manque juste à faire une photo parce que je ne savais pas qu'il fallait une photo. Et du coup, il va falloir que j'envoie ça à Chambrey-les-Tours. Voilà. Et voilà.
où il y a la photo, la signature. Je pense. Alors, il me semble avoir vu. Enfin, il me semble comprendre que la photo que vous donnez et la signature que vous faites, c'est ce qu'il y a sur votre permis, en fait. Du coup, je lui ai dit, écoute, on ira chez le coiffeur. Et tu iras. Et on ira faire la photo de suite. Parce que quand même, c'est important, quoi. Parce que c'est quelque chose qui va garder 10 ans, du coup, il me semble, 10 ou 20 ans, je sais plus trop. Donc ouais, c'est important que la photo qu'elle lui corresponde. Là, on a vu, sa pièce d'identité, elle est valable jusqu'en 2029. Donc encore 6 ans. Et c'est un peu long, et il était très jeune sur sa carte d'identité. Pas autant qu'Anna, quand même, mais il était assez jeune, et du coup, ouais, c'est pas. Enfin, il aimerait la refaire faire, mais bon, non. Ça demande du temps, tout ça, donc non. Bon, et donc voilà, déjà, c'est cool, tout ça. Ben voilà, pour l'instant, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard pour l'inscription pédagogique. Bon, ben allez, go. Il est 14h03. On va s'inscrire pédagogiquement ensemble. Allez, c'est parti. On vient d'avoir une très bonne nouvelle en plus là, donc je suis toute contente. Mon fils, il va commencer le pré-BPJEPS en fait. Donc la préparation du BPJEPS, il va le commencer lundi. Franchement, je suis trop contente parce que ça fait. Pour ceux qui me suivent ou pas depuis un moment, vous savez que ça fait un moment qu'il est à la maison, il est déscolarisé et du coup, je suis trop contente pour lui en fait. Voilà, le but, c'est qu'il ait un diplôme, une formation, même s'il n'en fait pas son métier de ça. Et voilà. Et évidemment, du coup, nous sommes tous, je pense, connectés à la même heure. Chaud, j'ai mis le ventilateur, j'ai baissé le volet aussi, et du coup ça rame là. Mais ouais, non, je suis trop contente pour Lucas. Inscription pour le code, inscription, enfin, la roue tourne vraiment, la roue tourne. Croyez en vous, et puis en fait, il se passe des choses qu'aux gens qui font des choses. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais si vous restez enfermé dans votre chambre, si vous restez enfermé chez vous, il se passera rien en fait. Il faut se bouger, il faut voilà. C'est important ça pour vous, pour votre mental, d'avoir quelque chose à faire, c'est très important. Ouais. Bon, je vous ferai pas un discours moralisateur et tout, mais vraiment c'est important. D'être bien dans sa tête et de faire des choses et de bouger, de se sentir utile, c'est très important, je trouve. Ah là là. Bon. Je reviens vers vous quand ça buggera plus. On me voit vachement mieux là, du coup que j'ai baissé. Bon, c'est bon, ça y est, ça marche. Du coup, alors, en premier lieu, alors, je vais vous montrer. Et non, je peux pas vous montrer, il y a mon nom, il y a mon prénom, il y a mon adresse et tout. Donc, je ne vais pas vous montrer. Mais donc là, ça vous demande en tout premier pour l'inscription pédagogique vos données personnelles. Donc moi voilà, il y a mon adresse, il y a marqué logement. Moi c'est mon logement personnel. Ok, tout ça, il n'y a rien qu'à changer. Mon email et tout. Ok. Ensuite. Alors ça bug. En fait, tout le monde se connecte à la même heure et du coup, ça bug de fou. C'est pas super, je dirais. Alors, L1 psycho, ok, c'est bon. Ça prouve que je me suis bien inscrite, c'est bien. Excusez-moi de vous avoir fait bouger. Alors, donc, maintenant. Je vais vous montrer comment ça se présente. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Mes données personnelles sont juste en haut en fait. Alors ça se présente comme ceci. Là vous avez des enseignements donc choisis on va dire. Langue obligatoire et tout aussi. Donc
Là, on a le semestre 1, là, on a le semestre 2. Vous choisissez tout en même temps. Moi, ça, vous voyez, c'est l'informatique, c'est validé. Là, l'anglais, c'est validé. Donc ça, ce sont des enseignements que je n'aurai pas à refaire. Là, c'est pareil. Informatique, j'ai pas besoin. Et langue, j'ai pas besoin non plus. Ah oui, évidemment, il y a des travaux chez moi. Voilà. Ah mais si, je l'ai validé. Et je prends le sport. Voilà. C'est bon, après je pourrais prendre humanité numérique, mais j'ai trop besoin de refaire du sport, donc voilà, sport. Et là, vous avez au minimum deux éléments. Je sais pas si vous voyez. Il y a marqué, vous devez... Là, ici, pour la langue, c'est un élément. Et là, là, c'est deux éléments. Et oui, et ce cours-là, je l'ai fait, c'était super intéressant, j'ai adoré. Donc là, informatique, c'est validé. Méthode de travail, là, machin... Analyse des données en psychologie, biologie humaine, psychologie du développement, psychologie clinique, pathologique, psychanalyse, clinique empiriquement fondée, cognitive et sociale. Voilà. Normalement, j'ai tout choisi. Bon, voilà, j'ai réussi. C'est bon, c'est fait. Je demandais à Laura de venir. C'est bon. Sur l'année, j'ai 5 cours que je ne ferai pas, que j'ai validé avec de très bonnes moyennes quand même. Ça va. Et du coup, voilà, je reprends Humanité numérique. Il y avait des cours qui avaient l'air assez intéressants, mais en fait, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de disponibilité pour ma famille, donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà, bref. Donc voilà, voilà, je suis très contente d'avoir enfin fini ça. C'est un soulagement. Voilà, mais du coup, je vais pouvoir commencer à faire... mon emploi du temps. Je vais peut-être attendre demain pour ça quand même. Enfin, je vais imprimer une feuille d'emploi du temps. Et ensuite, je vais commencer à écrire et à écrire mes disponibilités en fait pour mon travail, tout simplement. Ouais, parce que sinon, je sais que je vais emploi du temps. Télécharger. Voilà. Voilà. Je vais m'occuper de ça là maintenant. Je pense que c'est bien si je commence à bien écrire tout. Là, parce que j'ai besoin vraiment d'écrire. J'ai besoin que tout soit ok, quoi. Ah, attends, c'est cool. Il y a un emploi du temps où vous pouvez écrire dessus, même sur Excel. Ça, c'est très pratique, je trouve. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, et là c'est le PDF. Non mais franchement, trop bien. Waouh, c'est Calendarpedia. Je ne connaissais pas. Du coup, j'ai mes emplois du temps à la semaine même. Mais bon, là, il y a des cours qui ont changé, mais genre, je vais en prendre un basique. Alors, ouais, après ça dépend dans quel groupe est-ce que je suis en fait. Donc voilà, c'est par rapport à ça aussi, c'est un peu compliqué. Mais le mardi, par exemple, je commence à 8h30. Ouais, du coup, vous voyez, c'est complexe. Il faudrait fusionner des cases et tout. Je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je peux en ajouter? Oui, je peux rajouter des cases. C'est merveilleux. C'est comme ça, je pourrais rajouter des demi-heures, en fait. Donc ça, c'est vachement pratique pour moi. Et voilà, donc. Là, je vais m'occuper de ça maintenant. Comme ça, je vais avoir un bon aperçu. Et du coup, moi, oui, je n'ai pas informatique et j'ai pas les langues et j'ai pas la culture G. Je suis trop contente. Franchement, c'est trop bien. Bref, je vais vous laisser. Pour aujourd'hui, moi, je vais faire ceci. Je vais commencer à faire mon emploi du temps là et voir les disponibilités pour le travail. Même si je pense qu'on aura plus d'infos demain après-midi. Et on aura... Enfin, voilà, c'est... Je suis trop contente. Je suis trop contente. En fait, comme vous voyez... Vous avez validé beaucoup de cours, c'est là où ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. En fait, l'inscription pédagogique, c'est comme si vous, enfin, c'est ça qui fait que vous inscrivez aux examens. Si vous ne le faites pas bien, voilà. Si vous ne le faites pas bien, et ben.
ou vous n'êtes pas inscrit aux examens. C'est très 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 important de s'inscrire aux examens comme ceci. Tout un trafic, je vous jure. Ah, donc là, vous avez vos enseignements, comme sur l'ordi. Hein, c'est... Et moi, là, vous voyez que informatique, j'ai eu 14,50, admise. Je n'ai pas le contrôle continu à faire. Enfin, je n'ai pas d'examen. Pareil pour l'anglais, avec 13. Et la culture G, avec 12. Pour le semestre 2, informatique, j'ai eu 17 et quelques. Et anglais, j'ai eu 14. Voilà. Et tout le reste, eh ben, il faut que je le passe. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est là ? Voilà. Et les petites croix, c'est les choix que vous avez faits. Voilà. Bon, du coup, j'ai regardé et ça me fait quand même environ 10 cours apparemment à la semaine. Sachant que le sport, c'est autre part qu'à l'université et humanité numérique, c'est à la maison, donc ça va. Donc ça me fera 8 cours en présentiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ben alors, il y a des choses qui manquent hein, dans l'emploi du temps. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein, de toute façon, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud parce que je sais pas trop comment ça se passe, leur truc du coup. Ouais, bon, j'ai imprimé, tout va bien. J'ai rempli mon certificat médical aussi pour le sport. Alors, c'est bizarre, c'est... Moi j'ai le certificat médical encore de l'année dernière qui est valable, je crois que c'est valable 2-3 ans, ce genre de choses à l'université. Et voilà. Donc, on a l'étude, prêt de matériel, inscription en groupe. Oh ouais, non, c'est... franchement, ça va. Ça va, ça va. Je suis très contente que ça ait marché et que ça aille bien. Et voilà. Ouh, c'est tellement brouillon là. Bon, bah du coup, maintenant, je vous laisse et je vous reprendrai juste demain pour ma pré-rentrée où je vous ferai un compte rendu du coup à la fin. Allez. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes jeudi 7 septembre, ça y est, c'est le jour de la pré-rentrée. Et je voulais juste vous montrer ma tenue du jour en fait, donc pour la rentrée. Ça peut ne pas intéresser, on ne sait jamais. Mais voilà, en fait, je m'habille assez simple, assez sobre de toute façon. Mais voilà. Je vous montre. Alors du coup, merci le miroir. Oui, ne regardez pas le bordel, ça sert à rien. Donc j'ai mis un petit body blanc de chez Shein. Bon, il est un peu transparent, mais perso, je m'en fous. J'ai un jean noir, mes petites chaussures. Et j'ai mis ma veste parce qu'il fait 16 degrés, les gars. 16. Du coup, ouais. Ça, c'est fou, on dirait que j'ai beaucoup de cernes. Alors j'ai bien dormi et tout. C'est la lumière, je pense. C'est ça. Ouais, bon. Ouais, voilà. Un petit peu moins en vrai. Mais voilà. Donc, j'aime bien. Bon, il manque un petit collier. J'ai mis des petits bijoux. Voilà. Je sais pas si je mets cette veste. Elle est quand même très, très large. Je sais pas. Et je sais pas si je garde cette ceinture-là. Si j'en mets une noire. J'en ai une noire aussi. À voir, mais j'aime bien. Si vous allez voir mieux. Non, ça fait tout simple. Voilà. Et du coup, je sais pas si je prends ça ou si je prends ça comme sac. J'ai pas grand chose à mettre là. Genre encore, j'ai pas de cahier et tout. Je vais juste prendre ma tablette et voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais oui, c'est très très simple et tout. J'aime bien. Bon, ben, je viens d'essayer avec une ceinture noire et en fait, je vais garder la ceinture noire. Tout simplement. Alors après, elle est. Genre, elle est neuve, elle est très rigide. Il va falloir qu'elle se fasse parce que franchement, c'est pas très confortable, on va dire, en gros. Donc, je vais la mettre toute la matinée. Bref, qu'est-ce qu'on se prend à la tête, dis donc, pour les tenues de rentrée? C'est fou, hein? C'est fou. En sachant que après les autres jours, je vais être en basket, très certainement. Parce que dans l'amphithéâtre, il fait froid. Ouais, en fait, aujourd'hui, ça va être. Voilà, je vais tâter le terrain, puis on verra comment c'est, s'il fait froid, parce que je préfère vous prendre comme ça.
Du coup, que je vais en psycho, on sera beaucoup et on va avoir beaucoup cours en amphithéâtre. C'est pas pour me déplaire parce qu'au moins on sera pas tous collés. Même là, la transpiration des jeunes et tout, voilà, ça va. Je sentirai pas trop, ils seront loin. Mais bon, donc ouais, je vais préparer mon sac pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais mettre? Du coup, je vous montre. Agenda, évidemment. J'ai pris celui de Clairefontaine, moi. Mais redites-moi si vous voulez un back to school hein, de moi. Sinon, là, je vous montre rapidement. C'est le bordel sur mon bureau. Je vais prendre la petite pochette cartonnée que j'ai prévue pour tous les papiers. Je vais mettre aussi le certificat de scolarité et tout dedans si je ne l'ai pas déjà fait. Mes lunettes, on ne sait jamais. Et dans la pochette, je vais mettre du coup des papiers assez importants, du coup, comme des enseignements pédagogiques et tout, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que je m'inscrive pour le sport apparemment. Donc, on va allumer le Là, j'ai PC. rendez-vous à 9h30 pour mes yeux. Rendez-vous numéro 9. Après, il me restera 3. Et les 3, il faut que je vois s'ils sont bien calés ou pas. Parce que maintenant que j'ai mon emploi du temps, il faut que je fasse attention à ça. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Du coup, ce que je vais faire ce matin, c'est m'occuper de la maison, aller à mon rendez-vous. Et voilà quoi, grossièrement. J'envoie un mail à ma chef. Mais je vais attendre la pré-rentrée pour être sûre que les enseignements ne changent pas trop. Après, je lui envoie un email pour lui dire mes disponibilités. Là, ça va être un. Je vais me casser la tête en fait à ça. Mais c'est important que je puisse aller chercher Anna au collège et tout quand même. Je sais qu'elle aimerait rentrer à la maison à pied, mais pour l'instant, ça fait tout. Voilà. Je vais attendre encore un peu qu'elle le fasse avec Maya. Ben demain. Ouais, non. Non, demain. Ouais, je vais attendre qu'elle fasse le trajet avec Maya plusieurs fois. Et puis on verra bien. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Je crois que c'est lundi que toutes les deux. Ouais, lundi. Elles feront le trajet ensemble au moins. Voilà. Donc là, je les laisserai se débrouiller. Lundi, elles rentreront à la maison à pied. Puis voilà. Toute façon, il faut un début à tout en vrai. Hein. Maya, elle était rentrée assez vite à la maison seule. Bon, son frère était pas très loin derrière. Mais oui, elle, il avait fallu qu'on fasse tout ça très très vite aussi parce que c'est pareil, j'avais ma rentrée. Bon, du coup, c'est très bizarre, mais avant-hier, j'ai mis à jour les applications de ma tablette. Oui, parce que si la tablette n'est pas à jour, je ne peux pas trop m'en servir en fait. Ça bug et tout, donc voilà. Et du coup, là, 17 applications à mettre à jour. Alors franchement, c'est trop bizarre parce que tout était à jour. Il y a. Si je me souviens bien, il y a 2 jours. Je vais aussi voir s'il n'y a pas une mise à jour du système à faire. C'est bon. Donc on va mettre à jour les applications. Et voilà. Alors, vous savez quoi? J'ai dit à tout le monde de mettre WhatsApp. Mais moi, sur la tablette, je ne l'ai pas. Donc je vais le mettre. Moi, c'est Messenger que j'ai. Là là. J'ai hâte tout à l'heure. Bon, du coup. Là, j'ai enlevé mes bagues parce que je me suis lavé les mains et tout. Puis je vais faire un peu de ménage, donc je les remettrai après. Alors, j'ai mis déjà le calendrier universitaire. Alors, ce que j'aime pas dans cette pochette, c'est pas comme celle que j'avais avant. C'est que le fond, il se rabat pas. Genre, ça peut partir, ça peut s'abîmer. C'est un peu chiant, quoi. Attendez, mes agendas. Enfin, je mets les premiers emplois du temps aussi. Ensuite. C'est bon. Ça, je peux ranger. Ça, c'est une ordonnance. J'avais dit, je vais sortir le certificat de scolarité. Et voilà. Ah, ben oui, ma trousse peut-être.
Et quelques feuilles. Il y a quelques feuilles aussi. Mes écouteurs. Jamais si je m'ennuie. Et bah voilà, écoutez. Moi, je pense que c'est bon. Alors, je me suis fait l'arrêt au milieu aujourd'hui. J'ai pas fait ça depuis des années. Bon, ça va, j'aime bien. Je viens de connecter ma tablette. C'est bon. Franchement, c'est trop simple. C'est extrêmement simple de récupérer toutes les conversations et tout ce qu'il y a sur votre téléphone grâce à un QR code qui s'affiche. C'est excellent. Moi, je suis ravie. Vraiment. Voilà, donc j'ai tout. C'est bon. Trop bien. Ouais, que j'ai l'habitude de faire sur Messenger, de parler avec les personnes, on va dire. Mais bon. Ça me va. Hello, c'est le retour des vlogs voitures. Alors, ça y est, je sors de ma pré-rentrée. C'était trop bien. Moi, je suis pas restée trop longtemps à la fin. Genre, ils nous offraient une glace. C'est ouf. Il y avait un food truck glace. Normalement, je voulais poster. Mais on a bien eu... comment on dit ? Injonction à pas filmer la tête des gens et des professeurs et les cours des professeurs aussi. Du coup, j'ai attendu que tout le monde soit de dos. Presque, j'espère. Sinon, je vais. C'est pas cool. Mais bon, là, je vais pas faire comme avant. Je vais rien dire sur ce que je fais sur YouTube. Je vais être discrète et en sous-marin. Donc, on va dire. Je vais être. Voilà. Hein. Je vais cacher cette partie-là. Voilà. Juste. Je suis caissière, étudiante, maman. Point. Voilà. Hein. Mais du coup, c'était bien sympathique. Oh là là, alors je pensais pas avoir cours le vendredi en fait, si. Franchement, j'ai mal à la tête, les gars. J'ai mal à la tête, j'ai trop mal à la tête. Je rentre, je prends un Doliprane. Il y a trop d'informations, trop. Et c'était bien complet, ça a duré combien de temps? 2h30. 2h30 d'informations bien intensives. Alors du coup, j'ai demandé si le stage était juste obligatoire en troisième année et ils nous ont dit non, commencez dès la L1. Du coup, je vais commencer à me renseigner. Alors oui, je sais, ça va être beaucoup, mais je vais vraiment voir avec ma chef, du coup, comment ça se passe. Est-ce que j'ai vraiment la semaine de janvier de vacances et cette semaine-là, je la prendrai pour faire un stage ? Je sais pas, je pense qu'il n'y a qu'avec des petits stages par-ci par-là, facultatifs là, que je saurai dans quelle branche je veux me diriger. Après, je connais pas le nom des professeurs à l'ACAU, mais là on a eu 3 professeurs avec nous. Ils sont très sympas, très sympathiques. Et je vais faire partie de l'association des étudiants de psychologie. C'est un pote avec qui j'avais fait aussi le... pas le confinement, mais le... mince, comment ça s'appelle ? Le blocus. Et ils ont besoin, parce qu'il y en a un qui est parti en master, et du coup, voilà, ils ont besoin. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien pour le libérer, mais après, voilà, quoi, je serai pas toujours là, présente et tout, mais après, ouais, j'ai des bonnes idées quand même pour certaines choses et tout. Donc, ça va. Donc, c'est cool, l'année commence bien. Voilà. Là, j'attends Anna. Elle va finir. Je dois l'attendre dans la voiture. Je me retiens de ne pas aller devant. C'est très dur. Mais on s'est dit que je l'attendais ici. Et puis point, voilà, parce que ça va être notre rendez-vous. Et donc, voilà, il faut que je l'attende ici. Et voilà. Elle va arriver de toute façon. Elle a un t-shirt violet. Je vais la voir de loin, là. Bon, et bien, je vous laisse.
pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 8 septembre. Du coup, comment je vais aujourd'hui? Ça va. Hier, franchement, j'étais en PLS. Mon mal de tête ne s'est pas arrêté. J'ai pris un Doliprane. Plus tard, j'ai pris un Spédifène. C'était encore pire. Je pense que c'est une migraine ophtalmique parce que je suis habituée à en avoir. Mais c'est pas cool parce que du coup, même pour. J'avais pas de patience avec les enfants. Anna, pour ses devoirs, j'ai demandé à Maya de les terminer avec elle. J'étais vraiment en PLS complet. 9h, j'étais au lit. Je sais pas quand je me suis endormie, mais vite. Et là, ça va. Voilà, là, je commence à être fatiguée parce que du coup, je me suis endormie tôt. C'est pas très très habituel en ce moment que je me couche aussi tôt. Et du coup, j'étais réveillée bien avant 6h du matin. Je pense que ce soir, j'étais peut-être un peu fatiguée. On verra bien. Et du coup, alors, j'ai fait déjà beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis occupée de la maison, des animaux. Nous avons bébé chat ici qui rentre même plus dans le cadre. Voilà. Qui fait dodo. Comme à son habitude. Et moi là, je vais bientôt aller rejoindre Sophie, donc mon binôme de DAU et licence d'histoire surtout. On va aller se boire un coup. Voilà, jusque comme ça. Avant la reprise pour moi. Attendez, j'ai trop mal au bras, je vous pose. Et voilà, moi c'est une chouette journée. Là, je vais pouvoir aller chercher Maya. Moi, je vais aller la chercher. Je sais pas. Parce qu'elle mange à la cantine et après elle rentre à la maison. J'ai donné mes disponibilités à ma chef. Donc je verrai dimanche comment elle a changé mes horaires. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que le secrétaire pédagogique ne veut pas nous donner nos groupes. Donc on doit attendre lundi. Et franchement, ça se voit. Je comprends. J'ai une amie qui m'a dit, tu verras, il est particulier. Ah mais je comprends totalement. Il est particulier. Il est... Bref, on ne sait jamais si un jour il tombe sur une de mes vidéos. Voilà. Mais ouais, il est très particulier. Et du coup, faut être patient, je crois, avec lui. Voilà. Et du coup, en sport, je suis inscrite en cross-training. Ou course dans la nature. J'adore courir, ça ne me dérange pas. Juste, il faudra que je trouve... Alors, au pire, je me réinscrirai à la salle. Il faudra que je fasse de la musculation un peu. Quand même, pas perdre trop de muscles. Mon but... bref. J'aime avoir des formes quand même. Donc, bon... Là, si je fais que courir, c'est pas ouf, quoi. Il va falloir à un moment donné que j'aille à la muscu. Ou que je fasse des exercices chez moi. Chose que je n'ai pas le temps de faire. Ça va faire 2 semaines bientôt là que j'ai rien fait. Et ça me manque trop. Ça me manque. Bref. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous prendrai avec moi un petit peu. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue à monter. Mon Dieu. J'espère. Je crois que je commencerai à la monter demain après-midi. Quitte à ce que je la finisse et je vous le clôture demain. Ouais, on verra bien. On verra bien. Mais je pense que j'aurai le temps du coup. Je fais des gros bisous. À plus tard. Les marches en bois, ça ira mieux. Ouais. Avec le renfort. 165 marches.
Ah, c'est haut. Allez-y. Non, c'est moi. Merci. Alors les arrêts en face. Ah bah du coup ça, c'est par là-bas non? C'est de la Méditerranée. Là je vois Auchan là-bas non? En rouge. Ah oui. Donc, moi c'est par là-bas. C'est très joli là-bas le... l'architecture. Là, c'est fou. C'est fou.
Bonsoir tout le monde. Nous sommes samedi 9 septembre. Il est 22h34 exactement. Et bah, du coup, je viens de passer 4h30 sur le montage de cette vidéo. C'est merveilleux, mais je suis très contente que ce soit fait. Du coup, je viens vous la clôturer. Donc, les images que vous venez de voir, c'était hier avec Sophie. Voilà. Et du coup, comme vous avez vu, j'ai donc fêté ma licence, en gros. On allait boire un verre avec Sophie. Et voilà, donc on s'est auto-félicité pour notre licence. C'est dommage qu'il n'y avait personne d'autre. Mais bon, voilà. Il y en a qui sont à l'autre bout de la France. Il y en a qui sont déjà sur Montpellier et tout. Donc voilà, on n'a pas... Je dirais pas qu'on n'a pas eu le choix. Ce qu'on aurait pu attendre, mais à force d'attendre, en fait, nous, on ne l'aurait jamais fêté. Donc voilà, au moins, c'est au moins fêté avec mon ami du DAU. Voilà. Donc je suis quand même contente. Et donc, c'est la cathédrale de Saint-Nazaire. Donc, vous avez vu quelques jours auparavant, en fait, un peu plus haut dans la vidéo, de nuit. C'est très joli. C'était super. Bon, j'ai un bon cardio, mais quand même, ça n'empêche pas que 165 marches, ça vous... Ça fait que ben, vous êtes un peu essoufflé, voilà. Mais en soi, voilà. Donc, bilan de cette semaine de vlog. C'était une semaine... Ah, le début de semaine était beaucoup mieux. La fin de la semaine, c'était différent, on va dire. Mais bon, après, ça va. En soi, ça va. Voilà. Ça va aller pour l'avenir. Il faut être confiant et tout. Faire confiance en la vie. Et voilà, ça va aller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est extrêmement longue, mais bon, vous connaissez, je suis habituée un peu à faire ce genre de vlog, mais là vraiment, elle était très longue. Même moi là, autant d'heures de montage, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Et la semaine qui arrive, donc ma première semaine de cours et la reprise du travail demain, je vais essayer de moins filmer. C'est pas possible là, de faire autant d'heures de montage. Là, ça va que j'avais le temps, mais bon, là, en vrai, il faut que je me démaquille, que je me prépare pour aller dormir, parce que demain, je travaille et je me lève tôt. Voilà. Bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je fais des gros bisous. Bye.